Nicolas Le Tiran du restaurant La Serre à Paris. Alors Nicolas, vous êtes aujourd'hui sur une courge cabochat de Monsieur Rian, une quenelle glacée sur crème de riz, olive et peau croustillante, fleurée de curry. On est de Paris et on est tout autour de Paris, il y a des maraîchers. C'est important pour moi d'être en contact direct avec les producteurs, parce qu'il n'y a que comme ça que de toute façon on arrive à faire une cuisine sensée, je pense. Avant de passer dans l'étape de conception, de création, il y a avant tout le produit. Pour travailler la cabochat, on a mis 3 semaines pour faire l'assiette et on a mis 2 semaines pour choisir quelle courge on allait prendre, parce qu'il avait une quinzaine de variétés de courges exceptionnelles. Aujourd'hui, on vous met une crème de riz fermentée avec une fermentation de cabochat. La fermentation aussi qui amène pas non plus un goût gazeux, mais ouais. C'est vrai que ça apporte beaucoup dans les assiettes, dans les compositions. Là. On a vraiment travaillé à fond la cabochat. Ici, la quenelle. C'est ça, elle est faite à base de fermentation de cabochat, d'extraction de cabochat. On est vraiment sur très très peu de matière grasse. En dessous, vous pouvez voir une crème de riz fermentée. Dessus, vous avez sur la peau qui a été croustillante avec au beurre clarifié. On a fait sécher de l'olive qu'on a zestée dessus. Et pour finir, on a mis quelques pointes de vinaigre de sapin qui apporte ce côté péchu à l'assiette. Et puis à côté, la poudre de cabochat qui a été pulvérisée, mais travaillée différemment. La cabochat qui a été cuite en papillote avec le thym, l'ail tout simplement, l'huile d'olive. Et puis on retrouve une tapenade d'olive et puis une arlette de cabochat qu'on cuit pendant 12 minutes au four à sèche.